Martin, bonjour. Salut Hugo, ça va? Comment tu vas? Très bien, toi? Aujourd'hui, on va présenter un beau petit jet ski. Bah du coup, vas-y, présente-toi, s'il te plaît, mon fou. Moi, c'est Martin, je fais du jet depuis 5-6 ans maintenant, 4 ans en compétition. Toujours sur un Spark. Un Spark, c'est donc le modèle chez Sidou. BRP, ils font des quads, ils font des buggy, ils font des trucs comme ça. Je fais championnat de France, championnat de Belgique. Compétition direct? J'ai commencé, ouais, il y a 4 ans. Ça fait pas longtemps que t'en fais en plus? Non. Oh, t'as pas ouais, direct. Temps, ouais, voilà. Oh, pire. Dans la vie, tu fais quoi? T'as quel âge, tu m'as dit? J'ai 26 ans. Je travaille dans les pharmacies, je suis un peu commercial. Je vais dans toutes les pharmacies, en fait. Alors, la différence avec le jet ski de Mathéo Pichon, c'est que toi, c'est un jet ski de compétition, mais assis, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. En fait, assis, il y a deux modes différents. On travaille pas la même chose. C'est tous les deux physiques, mais un peu différents. Du coup, celui-ci, c'est un 4 cylindres. Il fait 120 chevaux. Ça parle déjà, non? Ouais, c'est okay. Déjà pas mal. Sur l'eau, c'est pas mal. Je monte. GPS, je dirais 92, 13, enfin c'est jamais très fiable, en fait on sait jamais par rapport au vent. Pour un kilomètre heure, tu... Mais sur ce genre de machine, le moindre kilomètre heure sérieux est ultra important. Non. En fait, c'est des moteurs stock, donc okay. On n'a pas le droit de toucher au moteur, et on a le droit de toucher juste à les alentours du jet, ce qu'il y a autour. Okay. Le moteur reste stock à 100%. Ça pèse combien? À peu près 300 kilos. Ok. Donc okay, c'est okay. Pas lourd du tout. Je pense que celui-là, il est moins lourd que celui de Mathéo. Ouais. Ok. Pourtant, t'as toute la partie assise. Ouais, mais du plastique et c'est un peu moins lourd. Bah alors, comparé à son jet F1 là. Ouais. Toi, tu penses quoi du jet F1? Ah, ça, c'est une machine de guerre. Mais en fait, c'est totalement différent. Le jet à bras, j'ai essayé, j'en ai acheté un, j'ai pas trop kiffé. Parce qu'en fait, déjà, t'es toujours dans l'eau. Tu vois, là, je vais m'entraîner, il fait pas très beau. Ouais. Et le jet à bras, t'es quand même tout le temps dans l'eau. Donc, l'avantage de ça, c'est que là, je vais en faire. Je vais te mouiller la moitié de mon corps, mais c'est tout quoi. Ok, ok. Ouais, c'est deux trucs différents. Totalement, quoi. Ouais. Alors toi, le tien, c'est en quelle année? 2022. Ok. Ça coûte combien? Ouais, je sais pas, 15 000 peut-être encore. Non, pas du tout. Au contraire, ça, c'est le jet, vraiment entrée de gamme dans tous les jets. C'est pas cher, quoi. Carrément pas. Bah, carrément pas, c'est vite dit, hein, mais dans le monde du jet, c'est vraiment entrée de gamme. Je pense que sans équipement, le Spark, tu en as 9 à partir de 6 500 €. Ok. Bon. Ouais, bon, jouer, c'est nickel. Ouais. 6 500 € neuf. Ah, c'est pas très. Ouais, donc, d'occasion, je pense qu'en bonne période, à 4 000 €, t'en trouves un plutôt correct, sans équipement. Après, c'est ça qui fait la différence. Ouais, et puis, tu vois, j'en ai acheté un presque neuf, que j'ai équipé moi-même. J'arrivais pas à aller au-dessus de 86-87 km/h. Ouais, et puis toi, tu m'as dit, il faut les chaque truc. Ouais, ok. Chaque truc. Et du coup, celui-ci, je suis allé chercher en Allemagne. C'est le champion Nils Hulting. Il est champion d'Europe. Il a fait le monde avec. En fait, il a été partout, en Thaïlande et tout, ce jet. Non. Et donc, je suis racheté. Il a arrêté cette catégorie. Donc, je suis racheté, je suis allé chercher. Ah, le truc de fou, non? Ouais, carrément. Donc, ça, c'est une très belle machine, très bien préparée par des mecs qui s'y connaissent vraiment de ouf. Il avait laissé des pièces, tout ça dessus? Il a tout laissé. T'as pu profiter Ultra fort. Ok. Ouais. T'as pas une anecdote avec ce mec? T'as pu parler avec lui? Il était cool? Je l'ai rencontré plusieurs fois du coup en championnat en Belgique. Il faisait le championnat belge. Il a gagné avec celui-là aussi. Ils sont super sympas. Son père bosse beaucoup. Pour te donner une idée, en fait, tu vois, t'as l'hélice qui est juste ici. L'hélice qui est dedans, dans la turbine. Pour avoir le résultat sur son hélice, il y en a fait 25. What? Sauf qu'une hélice, ça coûte presque 400-500 balles. Ça fait 12 500 €? Juste pour trouver l'hélice, le bon petit truc qu'il faut. Ouais, bah en fait, tu la. Faut la pitcher, ça s'appelle. En fait, tu mets bien les pales comme il faut. Tu vois, tu peux poncer la truc, tu peux un peu de tout. C'est pour gagner en perf? Ouais, c'est ça. En fait, l'eau passe dedans et okay. Du coup, tu sors plus vite quoi. D'accord. Ah putain, tu compares ça un peu en moto, je dirais une bêtise, à transmission? C'est ce qui transmet la puissance Ouais, un peu, mais c'est un peu compliqué à... Ouais, C'est spécial. Ça se prépare, donc il y a des angles, des ailettes, du polissage, ça. Tout ça. Tout à fait. Mais non, mais t'es incroyable. Donc en fait, c'est vraiment de l'orfèvrerie, j'ai envie de dire. Ok. Donc là, ça marche de ouf, quoi. Ouais. Et après, tu vois, tu as tous les petits détails qui sont pas de base, mais tu vois, tout là, c'est siliconé, tout ça, c'est préparé, tout ça, c'est bien poncé, tu as des petites rainures, tout est... Ultra, ultra préparé. Alors mec, mais arrête de me pousser. Tu me pousses là, le moulin. En fait, tu vois, quand t'es pas du milieu, ouais. Mec, tu comprends rien. Mais il y a toutes les petites spécifications. Bon là, j'imagine du grip. Du grip, voilà. C'est plutôt classique, une selle pareille. Belle mousse de selle. Ouais. Bah ça, je l'ai faite à Neulémine. Ah, c'est lui qui me l'a fait. Petite dosserie de boss, tout ça là. Voilà, c'est ça. Pour la deuxième place, c'est un deux places okay. De base. Bon après, c'est plus marrant oui. Tout seul. Là, t'as la petite trappe pour voir le moteur. Ouais, c'est vraiment léger. Ce jet là. Tu sais, t'as des jets en vacances, t'enlèves la selle, tu vois tout ici. Oui, il y a un coffre limite. Ouais, t'as tout ça. Là, t'as rien. Tu vois, t'enlèves la selle.
T'as rien du tout quoi, c'est juste pour mettre un extincteur et c'est tout quoi. Ok. Et en fait, pour juste voir le moteur, soit tu utilises par ici, donc là t'as une première partie, okay. Donc t'as très peu, ou sinon faut tout enlever le haut pour pouvoir avoir accès au moteur. Ouais, donc dès que tu fais un entretien, c'est un peu galère quoi. Ouais, t'en as pour ouais, une bonne heure pour enlever. D'ailleurs, niveau entretien, tu fais quoi? Tu fais tout toi-même déjà ou pas? Bah ici, on est chez Robijet. Ok, ouais, ouais. Et en fait, il me fait vidange, etc. Il me fait la totale. Et tous les ans, l'hiver, je l'hiverne. Vu qu'il reste dans le garage et je navigue pas trop l'hiver, on fait au mieux. Là, par exemple, cette année, en février, j'étais ici quoi. À m'entraîner. À partir de combien de degrés tu dis c'est bon, je peux sortir le jet? Non, même on est venu y neiger. Hein. Oh non. Mais bon, faut, c'est de la préparation. Ah, c'est quoi. Des fous. Ouais, ouais, c'est ça, faut être motivé. Quand tu prépares, ouais, là, cette année, je préparais à fond le championnat de France. Ouais, t'es obligé. Donc hein. J'ai essayé de me chauffer à fond. Et... C'était votre touquet, parce que nous, on est dans le sable pour faire l'endurance du touquet. Ouais, et... c'est ça. Ok, petit compteur là? C'est ça, alors. 6-12. Voilà. Ok, bon, nickel. Et après, ça, c'est la femme. Ah, les poignées Audi de KTM. Et ouais. Ah, mec, ils sont bien ça. J'ai une KTM donc. Ah, ouais, ok. Donc, les rapports, les nombre heures. D'heures. Combien d'heures? 41. Vous faites des pistons et tout là-dessus? Bonne question. Question. Je m'y connais c'est pas trop gros. En mécanique. Moi. Je touche pas trop. En fait, il faut laisser le moteur stock, donc on laisse d'origine en fait. Ouais, bah oui, dans tous les cas, ouais. Mais du coup, ça va être assez fiable, je pense, t'as pas de problème, etc. Ouais. Quoi. Tu l'assures pas ça? Si. Une assurance pour assurance. Un jet? Pour venir ici, on est obligé. Eux? Pour aller en mer, c'est conseillé. Okay. Et puis, du coup, il y a assuré vol, la totale, quoi. Mais pourtant, il n'a pas de carte grise. Si, une carte de navigation, ouais. Ah oui. Ouais, 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 si, c'est assuré à mon nom. Tu payes combien, là, pour l'assurance? 300 balles à l'année. Ouais, c'est pas parce que je l'ai bien assez assuré, quoi. Mais sinon, okay. Des fois, t'as des trucs vraiment pas chers. Ah, c'est marrant. Mais la plaque, du coup, elle est ouf, la plaque d'immatriculation. Bah, en fait, j'en ai pas besoin vu que je fais pas de la mer. T'en as besoin que pour en mer. Ici, on n'a pas besoin. Oui, oui. De base, tu fais juste un petit sticker avec tes numéros qui te donnent et c'est tout, quoi. Ok. Pas de contrôle technique, du coup. Y a pas non. D'où ça c'est. Pas encore. Ouais. Mais ça existe, les jet ski, mais bien, hein, électriques. Ouais, ouais, ça commence à arriver, ouais. Par la suite. C'est bizarre. Ouais. Par la suite, je pense qu'on va y venir. Mais à chaque fois, je filme une discipline, on me dit toujours ça. Ouais. Ça, on va y venir. Ouais, j'ai filmé des tracteurs et tout, ils m'ont dit des tracteurs, il y a des tracteurs. Ah, et de toute façon. Petit coupe-circuit hein, obligatoire pour la course. Ça. Tu peux nous le démarrer en de l'eau en... Si on peut 15 secondes, pas plus. Sérieux? Ouais. Ça risque rien? Non, pas plus de 15 secondes, quoi. Pas okay. Surchauffe. Vas-y, banana, tu comptes. Waouh! Oh ouais! Vache! Attends, ça fait un bruit clac, clac, clac. Ouais, ça claque un peu, ouais. C'est toujours chez Sidou. Ok. Sidou, hors de l'eau, on l'entend fort, ouais. Mais du coup, est-ce que j'avais filmé. Longtemps, j'ai filmé un jet qui démarrait aussi hors de l'eau, comme ça, dans son garage, le gars. Ok. Et tous les mecs en commentaire, ils disaient qu'en gros, c'est un malade de démarrer hors de l'eau, etc. Ah ouais? Quand tu le vides, là, tu vois, il y a un peu d'eau en plus qui tombe. Je suis venu il y a pas longtemps en fer, donc ça bouge un peu. Je démarre un petit peu de temps en temps. Ouais, ça se fait, je crois, avant. De vider l'eau. Déjà, avant de le mettre à l'eau, parce que si tu le mets à l'eau et qu'il démarre pas, t'as les boules. Ouais, ouais. Là, par exemple, avant d'arriver, quand j'étais chez moi, bah, je l'allume avant pour voir que tout fonctionne. Comme la moto, en fait, je sais pas si tu fais ça aussi, mais. Non. Ok, ok. Moi, j'attendais dans le seau pour démarrer. Ok. Ouais, donc ça risque rien pour le moteur, quoi. Pas trop longtemps. Parce qu'au final, l'eau, c'est pour refroidir. Ouais, ça c'est chauffe ça. Pas en 15 secondes c'est un ça, moteur, ouais. Quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, c'est logique, quoi. Mais vaut mieux pas, tu vois, c'est mieux. Et pareil, quand tu veux le démarrer chez toi, en fait, t'as une petite arrivée d'eau, tu te branches à l'eau et tu vois l'eau couler par ici et là, ça craint rien du tout. Ok, ah, c'est stylé ce petit truc. C'est pour nettoyer, en fait, tout le sel de mer. Putain, il y a un kit déco pour un jet ski, ça doit coûter un bras, non? C'est grand. Ouais, ouais, carrément. C'est combien, genre, un kit déco? Ça dépend, tu vois, de 400 à 800, 900, 1000. Ah, ouais. Non. Ah, c'est super cher. Ah ouais, non, je m'en doutais. Ah, c'est super cher. Par contre, 1000 balles, ouah, Dieu. Bah, en même temps, les gars, regardez la superficie du truc. Il y a de la déco de partout. En plus, il est super beau. J'aime bien le jaune comme ça, bleu. Pareil, quand il y a du fluo, ça coûte plus cher. Ouais. Enfin, tu vois, tout. Mais de l'hologramme et tout. Oh là là, ça, c'est sympa aussi. Petite couture, hein, j'aime bien. Mais ouais, les gars, la surface... Y a quelque chose ici, de base? De base, tu peux mettre un petit coffre par-dessus. Okay. C'est juste, c'est léger, tu vois, t'as pas beaucoup de place. Mais on l'enlève pour gagner un petit peu de poids, quoi. Ouais, et puis c'est bien la gueule que ça, comme ça. Ouais, c'est un peu plus, ouais. C'est agressif. Voilà. Petite remorque sympathique, hein, qu'il faut bien. La petite remorque, enfin, ouais, c'est dire, ça. Petit chariot, c'est un ami à moi qui me l'a prêté. Parce qu'en fait, de base, j'en avais un deuxième. Mon ancien, du coup, que je t'ai dit que j'avais préparé. Et je l'ai mis en vente et il est parti il y a un mois. Et le mec, je l'ai vendu avec la remorque. Ouais, ça se fait beaucoup, ça. En fait, tu vends avec la remorque. Donc, pour l'instant, j'ai plus de remorque. Okay. Donc, il est chargé dans le camion. Là, Steven, un pote à moi, me prête son chariot. Et je vais acheter une remorque. J'attends
trouver la bonne occasion. Est-ce qu'on va faire un tour de ton camion? Allez. Parce que c'est un camion aménagé, c'est ça? C'est ça, je l'ai aménagé que pour les courses, en fait. Ouais. Pour venir ici à l'entraînement. C'est toi qui l'as tout fait? Ouais. Donc c'est un Renault? Renault Master. Donc là, il y a le matelas où je posais le jet. C'est un peu rudimentaire, mais temporairement, ça va très bien. Sinon, tu fais comment? Tu rentres la remorque? Comment ils font les mecs? Ça, là, je veux dire. Ah, ça, je le mets par-dessus. Ok, bah, mais tu pourrais pas rentrer ça tout comme ça dedans, sans avoir le matelas, du coup? Tu sais, le jet ski sur l'armoire. Ça sera pas très stable quand même. J'en essaye. Okay. Ça me semble pas très stable. Ok, le petit lit en haut. Donc le petit lit qui descend. Parce qu'en fait, du coup, il y a la remorque, il y a le quad qui rentre, et je sors le quad, okay. Et le lit descend. C'est quoi, c'est électrique? Non, non, c'est des petites sangles à la con. Non, c'est bien, c'est bien. Okay, là, t'as même mis des prises en haut et tout. Eh. Ouais. Pour charger le téléphone c'est pendant ça. La nuit. Donc un petit meuble, le petit frigo, les petits rangements, là, les roues et. J'ai mes batteries juste ici. Bon, c'est un peu le bordel. Attends, mes batteries, c'est-à-dire pour le camion, pour alimenter du coup toutes les decks du camion. Ah ouais. Oh, c'est quoi? C'est un plan de travail d'outils là-bas? C'est un meuble Ikea que j'ai récupéré, non, que j'ai mis en hauteur. Petite touche carbone, ouais. C'est action. Ouais, bah ouais. Tac. Mais non, un petit marchepied. Petit marchepied. Il est pas homologué VASP quand même. Non. Ça, c'est bien la petite vitre, j'aime bien pour voir derrière. T'as ton frigo et tout, mais non. Petit frigo, ouais. Tout belle, l'enceinte. En fait, tout est prêt pour la course, en fait. Là, le camion, j'ai plus qu'à mettre ma bouffe pour vendredi. Et puis, on part vendredi pour le championnat de France. Tu pars avec Mathéo alors? On part à peu près en même temps, ouais, mais on se met ensemble dans le paddock. Et, tu passeras le bonjour. Avec plaisir. Et là, il le sait pas, tu lui as déjà dit ou pas là? Je lui ai dit tout à l'heure, il voulait passer. Et il bosse, okay. Il bosse à son camping, donc. Donc voilà. Mathéo, on fera la vidéo avec son F1, son fameux jet, ouais. F1 normalement, on doit le filmer. Ok. Et c'est marrant comment les gars du jet ski, vous pouvez changer de discipline en claquement de doigts, ça va être nickel. Bah ouais, je fais de la moto, donc en fait je la fous dedans et on est tranquille quoi. Et moto, pas de compète? Non, bah, tu me verrais au niveau. Non, mais c'est surtout pour garder le rythme l'hiver, etc. Ah, tu continues de. Ouais, du coup, tu roules l'hiver? Ouais, pour s'entraîner. Sable? Pas encore. Je vais à Merville pour l'instant. Bah, Merville, ça ferme l'hiver. Ouais, ouais, mais je commence là. Ah oui, ok, ok. Tu vas devoir goûter au sable. Bon courage. Ouais, ouais, grave. Ok. Là, voilà. Bah écoute, habille-toi et puis on se filme la petite démo. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, j'ai froid pour toi là. Hé, hey, Boudin. Viens, ma fille. Reste là. Laisse-le tranquille. Lala, viens ici. Allez. Alors, allez, oust. Oust. Mais les gars, j'en peux plus. Quoi, la position? Franchement, ça fait deux jet skis que je filme, les deux ont un niveau de fou. Ah, ça pilote fort là. Mais what? Mais what? C'est nappe. Waouh! Oh la vache! Oh la vache! Mais hé, franchement! Les gars, je m'attendais pas à ça, je vous jure! Bon, les mecs, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas! Regarde, il est où? Il y a un petit formulaire en description! Ou alors, vous m'envoyez un message sur Instagram, hein. Si vous êtes dans la région 5962, n'hésitez pas! Tout ce qui est département, autre, faut candidater, c'est plus simple! Oh la vache! Oh putain, je suis choqué. Attends, je savais pas que t'avais un niveau de fou, moi. Non, ça déconne, t'envoies de ouf. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, vice-champion, ouais. Putain. Mais t'as progressé vite, toi, non? Non, t'as commencé il y a 4 ans. Quand même. En fait, j'entraînais souvent. Eh, c'est magnifique. Différent du Jetabra. Ouais, rien à voir. Ça va être sympa aussi. Différent. Ouais. Il m'a dit, je te prendrai derrière tout à l'heure. C'est bien parce qu'il fait froid, hein. Sinon ouais. Vraiment c'est faux, je serais pas venu. Lala, viens ici. Mais j'en peux plus, ça. Il fait moins 8000 là, va pas te baigner. Vous voulez dire un truc? Oh, Lala, vous voulez dire quelque chose? Un truc, tu peux chercher? Non, c'est mon micro. C'est mon micro. Oui, j'avais déjà lancé la vidéo, nickel. Parfait. Purée, ça envoie. Ouais. Du coup, je pouvais pas dire que ça roule fort, du coup j'ai dit ça pilote fort. Ouais, ça navigue fort, ça navigue fort, comme ouais. T'as jamais eu une chute, un accident, quelque chose? Si, justement, en Belgique, championnat de Belge, il y a 3 ans, ouais.
toute ici cassée en deux. En fait, du coup, tout ça tenait juste par le câble de direction. Le jet était retourné et en fait, ma tête était coincée. Là, il y a une mousse, mais mon casque était coincé ici. Et j'ai pas réussi à l'enlever. Donc, j'ai enlevé mon casque, je suis remonté, sauf qu'il y a les pilotes qui passaient encore et tout. Non. Donc, cette fois-là, ouais, j'ai eu très peur. La mentalité en Belgique, j'aime un peu moins. C'est fort compète, peut-être, non? Non, c'est fort chacun pour soi et il doit avoir plus de sous à dépenser, quoi. On s'en fout, il casse quoi. Ah ouais, c'est plus bourrin peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, en cross, c'est pareil. Ah ouais. Tu jures, ouais. Ouais, ouais. Je suis sous l'eau, mon casque. Mais t'as un peu d'air au final. Là-dedans, en fait, je. C'est allé vite, tu vois. Mais du coup, j'étais coincé, j'ai dû enlever mon casque sous l'eau. Je suis reparti, mon jet cassé en deux. Et là, par contre, j'ai eu peur. Du coup, je préfère vraiment naviguer en France, championnat de France. À mon avis, beaucoup plus respecté et surtout dans cette catégorie-là. Et pas de blessure? Pas de blé, un petit peu au dos, tout ça, mais léger. Quoi. Ça, ouais. Wow, léger. Truc de fou. Ouais, ouais, vraiment. Et comment tu retombes ton jet dans l'eau? Ici, t'as un truc pour attraper, en ouais. Dessous, une trappe en métal. Yes. Tu fous tes doigts dedans et tu mets de la force sur un côté. Ok, t'arrives à le saquer ouais. Tout seul. Et t'as reparti, tout seul. Non, jet cassé, mort. T'as une dépanneuse dans l'eau qui peut venir le prendre? À chaque course, t'as des marshals dans l'eau. Ouais, ouais. Et en fait, ils viennent te récupérer, ils t'accrochent à l'avant et. Truc de fou. Ouais. Bon, du coup, dernière du championnat ce week-end? Voilà, c'est ça. Là, pour toi, t'es deux au championnat? Deuxième, avec 30, celle devant à 30 points. Ah, c'est Cyrielle Bram. Ouais. Qui est première? Ah ouais, trop mais forte. Mais non! Trop forte. Française? Ouais. Oh, pour que je la filme aussi, ce serait intéressant. Elle habite à 3, justement, okay. Plus c'est chez elle où on va ce week-end. Encore fini ce week-end en Italie, championne d'Europe. Oh, elle est championne du monde, trop forte. Tu pourrais la finir premier du championnat si tu gagnes, je dis une bêtise? Ou t'as trop de points d'écart? Si elle fait toutes les manches, je peux pas passer devant. Si elle se plante une manche, niveau points, c'est. Moi en fait, j'ai pas la totalité des points parce que je tombe en panne. Okay. Un petit problème électrique. Avec celui-là, qui m'a fait perdre des points, mais sinon on était ouais ex aequo quoi presque. Donc on verra ce week-end. Ouais. Bah écoute, je te souhaite bon courage pour ce week-end. Qui merci bien. Merci pour la vidéo, merci pour ta sympathie. Merci à toi. En plus, tu pilotes fort et tout, c'était trop bien, je suis trop content. Pour une reprise des tournages, les gars, on pouvait pas mieux espérer. Parfait. Martin, merci bien. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Allez, salut. Allez, salut. Ciao. Des réseaux sociaux, pardon. Ouais. Si tu veux mettre des réseaux. M2Comer98 okay. Sur Insta, Facebook, enfin tout est ouvert okay, pour okay, suivre okay. Mes résultats. Tu m'as dit M2. M2Comer, M-D-E-C-O-B-E-R-T 98. D'accord, ok. Merci voilà. Mon fût. Merci à toi. Salut, ciao. Salut.